Se faire tirer le portrait, l'une des attractions de cette journée pas comme les autres. Artistes, artisans, créateurs et bénévoles investissent les lieux et habillent cette salle de restaurant pour lui donner une âme de fête. C'est la journée Noël à Brouckerque, puisqu'aujourd'hui on avait le goûter des aînés. Les enfants de l'école sont venus chanter pour nos aînés. Ils ont reçu leur cadeau Noël offert par la commune. Le périscolaire est venu aussi chanter pour nos aînés et on poursuit avec le marché de Noël jusque ce soir. Une deuxième édition en pleine expansion avec des exposants supplémentaires et des chalets qui envahissent le parvis. Parmi eux, les bénévoles et associations sont toujours au rendez-vous. Alors nous venons participer au marché de Noël pour des petites activités que nous avons créées nous-mêmes. Tout est fait main, les gâteaux, les petits bonhommes de neige, les petites couronnes de Noël. Nous sommes une association caritative dont nous essayons de récolter des fonds pour aider des personnes en difficulté, des personnes au chômage, des personnes... Donc l'ensemble des fonds collectés serviront quand même à une bonne œuvre. Ah oui, nous sommes une association caritative et philanthropique, donc c'est que pour aider les personnes en difficulté. Vêtu de rouge, eh bien non, ce n'est pas encore le Père Noël. Le clown gonfleur et transformeur de ballons captive les enfants en attendant l'arrivée du grand monsieur. Le marché de Noël de Brouckerque affiche de belles promesses et déjà une belle réussite pour cette année. Les 38 logements de la caserne de gendarmerie Général Battesti à Gravelines viennent d'être inaugurés, mais les 56 officiers du peloton spécialisé de protection de la centrale nucléaire occupent les locaux depuis juin dernier.
Un renforcement nécessaire, a souligné Jean-François Cordet, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions, mais surtout l'évolution des menaces terroristes. Un nouvel outil qui permet de rassembler en un seul et même endroit les familles des gendarmes représentant l'élite en matière de protection. On constate à la visite des locaux que nous avons réussi la copie puisqu'il y a des personnels jeunes entraînés et physiquement aptes à intervenir puisqu'ils sont pris en compte généralement par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, donc le GIGN, et puis que bien entendu ils bénéficient de tous les locaux et moyens nécessaires pour pouvoir intervenir en cas d'une menace sur quelque chose qui est jugé comme un point particulièrement sensible. Rappelons enfin que le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie n'officie pas seulement au sein de la centrale, la section est également mobilisée pour des opérations de police judiciaire. Comme tous les ans, Gravelines s'est mobilisé au profit du Téléthon. Une mobilisation qui a permis de récolter cette année 10 670 euros. Une belle somme malgré la conjoncture. Nous avons récolté moins que les années précédentes, mais nous avons quand même eu une manifestation en moins qui était, je rappelle, le loto. Par contre, nous avons eu le plaisir d'avoir les jeunes de l'Impro de Wani qui ont fait une marche, un marathon de Wani à Gravelines et qui nous ont rapporté le samedi un chèque fictif de 1285 euros. Sinon, au niveau des autres associations, bon, cela a été aussi plus difficile. Et les gens viennent de solder leurs impôts, il y a des choses à penser. Mais comme je dis toujours, un euro c'est un euro et ce n'est pas l'importance de la somme, c'est surtout les gestes que les personnes font, que toutes les associations font, tout le temps qui est dévoué à ce Téléthon, qui nous réconforte et qui apporte la pierre à l'édifice. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de faire un don au profit du Téléthon sur internet en vous rendant sur don.téléthon.fr. Il est des sports qui méritent d'être un peu plus mis en lumière, le Littoral Bowling Club de Gravelines en fait partie. Ce club qui se réunit chaque jeudi à Sportica pour l'entraînement vient d'être reconnu et récompensé en qualité d'ambassadeur du sport gravelinois de compétition. Car oui, le bowling est un sport, l'équipe féminine et l'équipe masculine, évoluant chacune en National 3, terminent première de leur poule et accèdent ainsi à la National 2. Le bowling est un sport de compétition. En compétition, quand il est pratiqué, il faut avoir le physique, la technique, le mental. Et toutes ces qualités réunies font qu'on arrive à des performances. Et jouer au bowling une partie, ce n'est rien par rapport à une compétition qui dure des fois tout un week-end, où on fait entre 11 et 15 parties. Et là, il faut avoir le physique et l'endurance et le mental pour arriver à des performances. Une saison et des résultats naturellement salués. Rappelons que ce sport de niche se joue essentiellement en métropole dans la région. Dans la région, il y en a peu. Il y en a un à Hazebrouck et le seul qui représente le littoral, c'est le nôtre, c'est le Littoral Bowling Club Gravelines qui regroupe tous les gens qui font du bowling sur le littoral. Avant, il y avait Dunkerque, Calais, etc. Mais tous ces clubs ont malheureusement arrêté. Donc nous sommes plus les seuls représentants en compétition sur le littoral gravelinois et dunkerquois. Prochaine étape, la National 1, pourquoi pas, la plus haute division avec sa Coupe de France. Suite à l'inauguration de la zone naturelle du parc des Rives de la Haye et de la Colme, le CIVOM a respectivement missionné le groupement ornithologique régional et le CPIE pour continuer à réaliser l'inventaire et le suivi du développement de la faune et de la flore de l'espace naturel du parc. Nous allons travailler avec le CPIE, le Centre de prévention de l'environnement sur Suidecote, mais également avec le GON, groupement ornithologique du Nord, qui va réaliser une étude sur les oiseaux qui fréquentent ce site, voir ce qu'il y a lieu de faire encore pour développer, car nous souhaitons vraiment avoir une mini-zone naturelle sur ce site. Nous allons conjuguer à la fois le sport et la nature, mais également le développement touristique, car nous avons lancé aussi, vous l'avez vu, des études. Nous allons choisir en 2016 un opérateur pour le deuxième plan d'eau, dans le domaine du téléski nautique, mais également dans l'exploitation d'un clubhouse, d'accueil, etc., d'activités aussi au sol. Et puis nous choisirons des hébergeurs sur le plan touristique qui travailleront en complémentarité avec celles et ceux qui créeront cette activité de jet ski sur le deuxième plan d'eau. Ces démarches permettront de développer l'attractivité du parc tout en créant des outils qui permettront de sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux et à la préservation de la biodiversité. Aluminium Dunkerque poursuit ses efforts pour devenir l'usine la plus compétitive d'Europe. Elle a investi 6,8 millions d'euros pour produire des anodes 1650, un format d'anode plus grand pour pouvoir produire plus d'aluminium. L'anode 1650, 1650 c'est son nom de baptême, en fait ça vient de sa dimension, c'est sa longueur. Donc nous avons augmenté sa longueur d'une dizaine de centimètres, ce qui représente 80 kg de carbone supplémentaire. Et ces 80 kg de carbone supplémentaire permettent de monter l'ampérage de nos cellules d'électrolyse jusqu'à 390 000 ampères. Donc cette augmentation d'ampérage est directement liée à l'augmentation de la production de métal qui sort de nos cuves et permet donc de faire 11 000 tonnes supplémentaires sur une année. Si on met bout à bout ces 11 000 tonnes de métal sous forme de lingots d'aluminium, on obtient une ligne de 11 km de lingots supplémentaires. L'autre avancée de l'entreprise cette année repose sur ses économies d'énergie. Le site d'Aluminium Dunkerque est un des premiers consommateurs d'électricité en France. La consommation du site représente à peu près la moitié de ce que consomme l'agglomération lilloise. Et à ce titre-là, bien évidemment, nous sommes très très attachés à réduire au maximum notre consommation, en tout cas être le plus efficace possible. Donc j'ai annoncé tout à l'heure un record en termes d'efficacité énergétique à 13 050 kWh/tonne. Donc ça c'est vraiment un record qui nous place parmi les meilleures usines au monde sur l'efficacité énergétique. Aluminium Dunkerque compte continuer sur sa lancée en mettant à profit les investissements du groupe Rio Tinto. Des investissements qui payent puisque pour la première fois depuis son démarrage, l'usine a atteint l'enfournée record de 913 tonnes par jour sur le mois de novembre.